est arrivé, ils étaient tous dehors en train de picoler. On est arrivé comme un chaussure là-dessus. Bah, prenez de la documentation. Bonjour. Tiens, allez, on prend, hein. En fait, si j'ai un de vos amis, c'est bien que je passe dimanche le voir. Bonjour, ça va ? Un ami à vous, Roger. Vous connaissez Roger Delay ? C'est un ancien de chez vous. Vous avez vu le reportage sur Noza ? J'ai Parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir sur les camps de concentration sur un homme de RT. Regarde, ils ont tellement peu d'argent qu'ils ont mis une bâche sur le toit. Allez voir la caméra, je vais le montrer à la caméra. T'as vu? Oui, oui. C'est vrai ou pas? Apparemment, René Barthes serait la réincarnation de Bouddha. C'est le niveau T8, hein. Il y a un risque de combustion spontanée. Tu crois qu'ils sont enturbulés, là? Tu vois tout de suite la tête des mecs qui se sont fait avoir. Ils sont dedans. Mais ils sont enturbulés, là. Vraiment, parce que... Tiens, mais toi, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Trop bon. Moi, j'adore. Ouais, trop bon. Trop bon. Attention, René Barthes serait la réincarnation de Bouddha, secret au T8. Et tu sais pourquoi, à mon avis, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils veulent racheter les planètes de la Confédération Markabienne et puis réparer le toit aussi, accessoirement. Daniel Gounor, comment vas-tu? Tu vas bien? Elle est jolie ta péniche, on l'a vu, elle mouille à côté. Est-ce que toi aussi tu crois que René Barthes c'est la réincarnation de Bouddha? À 600 000 euros, l'histoire à dormir debout, ça commence à chiffrer dur. Hein. On voudrait se faire auditer. On peut se faire auditer. On veut se faire auditer. Une petite audition. Ah oui, alors. J'ai 300 000 en poche. Je vais me faire auditer avec Roger Gonnet ce week-end. J'ai 300 000 en poche. Ah ouais, ouais. Il faut absolument que je me fasse auditer. Ah bah ouais. Auditez-moi. C'est cool. Auditez-moi, scientologue. Auditez-moi. Il nous regarde encore, le monsieur? Non. T'as vu, ça y est, ils ont fermé des rideaux déjà, ça commence. Ouais. On les a stressés. Et au fait, on sera à Dublin bientôt. On va aller voir vos amis irlandais. Vous savez, les scientologues irlandais? On va aller les voir. Ah. Hey, super classe, la trottinette, madame. Oh, ouais. Ils vous ont laissé assez d'argent pour en acheter une? Ça coûte quoi? 3 auditions à peu près? Mais mesdames et messieurs, attention, là, il y a une secte qui aime beaucoup le pognon. Ils sont connus pour piquer le pognon des gens et puis quand ils sont pas contents ou qu'ils veulent quitter la secte, ça se passe en général pas bien. Alors ils filmaient ici, alors ce soir ils vont envoyer une photo à ma femme en disant voilà. Non, c'est pas bien. Alors votre mari encore, on lui avait pourtant dit, mais vous arrivez pas à le contrôler et tout. Il s'appelle Sauveur, le monsieur qui filmait. Eh, hey, Sauveur, tu peux nous sauver? Je voudrais une petite audition. Sauvez-nous. Au lieu de nous agresser, sauvez-nous. Donc, je suis avec des amis anonymes, donc vu celui-ci avec lequel on s'était fait brûler. Alors maintenant, il a une nouveauté depuis quelques jours, c'est un masque en Kevlar. C'est un masque en Kevlar. Extrêmement. Il a une coquille. Alors voilà, donc on est venu, donc on est le 1er juin. Donc le 30 mai, il y avait comme prévu une audition au tribunal de police rue de Cambrai. Alors pour le moment, le juge a donné une réponse. Donc mon affaire est pour le moment irrecevable. Elle est limite, comme disait le procureur, c'est limite. Alors les raisons ne sont pas été motivées encore à ce jour. Donc là, je suis venu avec des amis anonymes juste à côté du lieu de l'agression précédente, de l'année précédente. Et ben voilà, donc on a fait appel de cette décision et on va voir comment... Le juge va motiver son refus de prendre mon affaire. Et sinon, ben, bon espoir pour continuer une action juridique. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont déjà participé. Salut. Merci à tous ceux qui ont déjà participé financièrement pour l'aide
Bon, l'avocat est haute et nous allons encore avoir besoin d'argent parce que, comme vous le savez, notre avocat, il vit pas de l'eau et il mange pas que du pain sec. Et puis, sinon, ben, merci à toutes et à tous. Et puis, bravo à tous mes amis anonymes. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis venu ici à titre privé pour dénoncer l'injustice. Non aux enfants dans les sacs. Ouais, et nous tapez pas dessus, hein, mais on dit non aux enfants dans les sacs. Tapez pas dessus. Voilà, parce que c'est à cause de cette phrase-là que l'année dernière, poum, poum, poum. Voilà. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, pour petite précision, donc vous pouvez envoyer vos dons pour le procès à jeffreaparis@yahoo.fr. Ça nous permettra de faire condamner ces affreux. Ouais. Et vous pouvez même, d'ailleurs on peut même le dire, les chèques peuvent être mis directement à l'ordre et au nom de mon avocat qui s'appelle Gilles Berès, B-E-R-E-S, Gilles Berès, maître Gilles Berès. Voilà, et toutes les petites sommes nous aideront à pouvoir. Parce que vous savez que pour aller en correctionnel, pour aller dans une affaire en civil, ça coûte quelques milliers d'euros.